Bonjour à tous, c'est B61 et aujourd'hui on se retrouve pour la suite d'Age of Empires 2, donc toujours la campagne de Saladin, mais bon, petit à petit on se rapproche de la fin, hein. On arrive au cinquième chapitre qui s'appelle Jihad. Donc on va le lancer maintenant, c'est parti. Tibériade, 20 ans et demi d'effusion de sang. Nous sommes loin de l'océan et les Saracens interprètent l'odeur de sel et le bruit des oiseaux de mer comme des signes des cieux. Je suis assis près de la tente de Saladin, observant le massacre en dessous. Les archers montés sarrasins chassent en masse désordonnée des soldats européens. Les grandes nations de croisés ont été réduites à de misérables cités. Seuls Tibériade, Tyr et Ascalon sont encore entre les mains des croisés. Néanmoins, ces trois villes sont bien fortifiées et peuvent résister à n'importe quel siège. Saladin a remporté beaucoup de victoires dans le désert, mais les châteaux des croisés sont sans comparaison. S'il remporte la victoire maintenant, la Terre Sainte appartiendra à nouveau aux Saracens. Une défaite risquerait d'entraîner encore des décennies de carnage. Bon, je crois que ça annonce la couleur, hein, ça sent le siège. Alors, est-ce qu'on va se taper les trois villes, par contre? Faut croire. Battez deux des trois villes croisées. Bon, c'est déjà ça. Alors, j'ai l'impression qu'on est sur une espèce d'îlot avec des falaises, donc ça, ça fait plaisir, à moins que c'est l'ennemi, ça. Bah non, c'est vert, donc c'est moi. Alors, conseil, rappelez-vous que vous n'avez besoin de battre que deux villes ennemies. Ouais. Ils ont zéro. Ah, mais non, c'est normal, c'est parce que j'ai pas appuyé sur OK. Vous pouvez commercer avec Hébron tant que la vie subsiste. Ok. Alors, Hébron, c'est eux, d'accord. Mon marché, il est où? D'accord, j'ai pas de marché. Je peux commercer avec quelqu'un. Ah non, il est là. Alors, hop. Oh, il y a déjà des charrettes en route. Alors, donc je sais pas où est l'ennemi, par contre, pour l'instant. Donc on est déjà bien équipé, il y a un bateau, enfin des bateaux, des mecs partout. Bon, comme d'hab, ça va être or et nourriture. Et donc du coup, on va se concentrer sur deux villes, hein, puisque c'est l'objectif. Est-ce qu'il y a d'autres inactifs? Non. Alors, je vais créer d'autres unités. Par contre, le bois, il y en a pas, quoi. Enfin, il y en a, mais c'est à l'extérieur. Par contre, ouais, quand ils ont dit « tant que la vie subsiste », ça veut dire quoi? Ils vont l'attaquer, c'est ça? Je suis pas trop apprécié, ça. Enfin, bon, on verra bien. Aussi, il y a plein de poissons, après, ça peut jouer. Mais ouais, les arbres, par contre, il y en a pas beaucoup. Bon, pour l'instant, de toute façon, j'ai pas de bois, il faudrait que j'en achète. Je vais acheter un peu de bois pour faire d'autres bateaux. Putain, c'est cher les navires en plus. Je vais mettre la vitesse de jeu en accéléré par contre. Au moins pour le début, parce que je pense qu'on n'a pas grand chose à perdre au début, hein, puisque tout est déjà fait de toute façon. Faut juste collecter et attendre pour le coup. Donc je pense qu'il y aura quelques coupures le temps que je collecte. Et puis si je me fais attaquer ou quoi, bah vous verrez. Alors j'ai construit un camp de bûcherons et un camp de mineurs à l'extérieur, parce que là il n'y a plus d'armes, enfin il en reste un. Bon, il y en a peut-être deux, trois autres, hein, mais voilà, mais vu que c'est pourri, voilà, j'ai préféré faire un camp de bûcherons là sur une masse d'armes. On verra après si les ennemis m'attaquent ou quoi, parce que je sais pas du tout où sont situés les ennemis, c'est peut-être au sud, à l'ouest, peut-être au nord, je sais pas, on verra. Donc voilà, et puis bon, bah j'attends d'avoir assez de ressources pour avancer un peu. Donc là, je collecte surtout de la pierre pour faire un château. Et si je fais un château, bah c'est pour avoir les mamelouks, puisque forcément les mamelouks, ça défouraille, hein, tout simplement. Alors, il y a du nouveau, apparemment, il y a Ascalon qui a décidé de construire une merveille. Là, ça me met la pression, parce que, pour ceux qui savent pas, c'était le cas aussi, je vais appeler Ascalon, tiens. C'était le cas aussi dans Age of Empires 1, normalement quand on crée une merveille, une fois qu'elle est construite, au bout d'un certain nombre d'années, on gagne la partie automatiquement. Alors est-ce que c'est le cas pour ce scénario, je sais pas.
Du coup, ça met un petit peu la pression, parce que là, du coup, le temps est compté, même si, bon, ça prend du temps de construire, hein, comme vous pouvez voir, il y a 5200. Mais, mine de rien, ça monte relativement vite. Donc, j'ai quand même enregistré, là, juste avant, enfin, au tout début de la construction, voir. Et si vraiment... Ah, attention, on me cherche la merde. Tripoli. Les gardes de Tripoli, ils sont où? Ah, d'accord, ok. Ah ouais, merde, je vais attaquer mes bonhommes ou quoi? Ouais, pas les fils de pute. Les baltringues. Je vais essayer de sauver le plus possible. Putain, j'ai aucune unité en plus. J'avais pas prévu ça, moi. Tiens, pète la catapulte, si tu meurs pas avant. Ça fait chier, il y en a qui sont rentrés en plus. Toi tu vas venir là. Ah j'avais pas prévu ça. Bon je vais faire un château. Ça va être chaud patate. Ah je m'attendais pas à me faire attaquer en fait. Limite je croyais que ça serait plus les bleus mais non. Catapulte en plus, c'est bien chiant. Bon, est-ce que je vais gagner ce duel hein? C'est tendu, mais bon, c'est bon. Par contre, l'archer il va foutre la merde. Je vais construire le château le plus vite possible. Faut que je détruise la catapulte au plus vite alors qu'elle me dégomme tout elle. Allez, le second je pense ça va être bon. À mon avis ils sont pas nombreux, hein. Ils viennent de la droite. Je vais faire une armée de mammouths et puis je vais les déloger, on va voir. Je vais d'abord les archer. Ah putain, il y a des bleus là aussi. Allez, ça y est, ils m'attaquent tout. Là. J'avais pas prévu que les bleus viendraient. En fait, j'ai rien prévu du tout, moi. Foutez-moi la paix, j'ai rien fait. Oh la vache. Bon. Je vais les mettre à la mine en attendant. Ils ont réussi à rentrer. Ah putain, ils profitent des charrettes, en fait. Forcément. Ah, je vais m'aider du forum pour aider un peu. Allez, pète-moi ça, voilà. Putain, les salauds, c'était pas prévu, ça. Bon, du coup, faut que je visite un peu, là, voir comment ça se passe pour les ennemis. Puis il y a la muraille, du coup. Ça monte, ça monte. Là, j'ai peur du game over, du coup, parce que je pense que je vais réussir à les dégager, c'est pas le problème, mais c'est la suite, quoi. Ils m'ont bien violé ces bâtards. Oh non, des canons à bombarde, carrément, ça c'est pas cool. Faut que je m'en débarrasse le plus vite possible, parce que ça fait très mal. Vous avez pu le voir avec la campagne de Jeanne d'Arc, donc... Il y en a plusieurs. Oh là là, en plus. Faut que j'esquive les canons à chaque fois. Allez, meurs! Putain, ils sont bien équipés, les salauds. Vite, 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 avant que je crève. Allez, 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 c'est bon. Vas-y, va en garnison, tu vas te faire soigner comme ça. C'est chaud là, putain. J'étais bien, moi, dehors, là, récolter mes trucs, là. Ah là, dégage. Ah, ça fait plaisir. Au moins, ça c'est bon. Je vais voir du coup du côté droite pour voir. Faudrait que je refoute des mecs là-bas du coup pour le bois. Au moins le bois, parce que la pierre là c'est bon. J'ai un stock. Enfin, un stock façon de parler, mais je veux dire, j'ai un château, je me comprends. Si ça se trouve, les bleus ils sont là.
C'est ça, ça va être tendu, quoi, parce que j'ai pas beaucoup de ressources à proximité. Bah, c'est pas avec une petite galère comme ça que je vais réussir à les péter, mais bon, va falloir, parce que la nourriture, c'est mon seul spot de nourriture. Donc. Bah, c'est pas trop la France que je viens de dire, mais je me comprends. Sans spot, je suis dans la merde. Oh putain, il y a des trucs qui crament aussi. Ça fait trop de dégâts. Est-ce que je vais pouvoir l'attaquer d'ici? Voilà, j'en ai buté un. Putain, ils ont mon plan, je suis sûr. Oh mais regardez-moi ça, c'est des canons à bombeurs, non? Mais d'accord. Bon, je vais plus avoir de bouffe, ça va être génial. C'est abusé, quoi. Ils sont sérieux dès le départ. Moi, je me suis dit, ça va être cool. Allez, nique ta race, quoi. Démerde-toi avec ça, mon bonhomme. Ils vont me niquer tout ce qu'il y a sur la côte. Je vais être baisé. Puis après, j'ai pas assez de portée. Donc, merde. Chier, putain. Oh la vache. C'est des bateaux kamikazes. Enfin, il y a des navires incendies aussi, mais. Ils ont beaucoup misé sur le naval, hein. Donc ça veut dire que c'est des trucs sur l'eau. Il faudrait que j'attaque, je pourrais pas attaquer en terrestre. Oh la vache. Bon là, faut que j'explore, voir ce qu'il y a sur l'île. Parce que là, il va me falloir max ressources et surtout pas me faire attaquer pendant que je les prélève. Putain, ils m'ont pété une charrette. Non. Oh là là. Putain, mais c'est abusé, ça. Les mecs, ils sont déter. Et c'est moi qui dois faire un siège. Je sais pas si vous êtes au courant, mais... les mecs, ils arrêtent plus, que. Calmez-vous un peu, laissez-moi vivre. Putain, j'ai plus de bouffe, je peux plus rien produire. Faut que je fasse des fermes avec le peu que j'ai. Ce scénario, je le sens vraiment pas. Même si faut recommencer, je pense que je vais galérer, vu comme ils sont équipés, les gars. Bon, je pense que c'est mort, hein. Y'a pas besoin d'être devant, tout ça. Même si je mise tout sur les bateaux, je sais même pas si c'est faisable. Bon, bref, on va arrêter le massacre, je vais recommencer. Alors du coup, je vais essayer de tout miser sur les bateaux. Enfin, et en même temps, ouais, faut que je me dépêche de faire un château, quoi. Château, c'est combien déjà? 650. Je vais acheter de la pierre. Faut que je me magne le cul, là. Parce que faut que je défende quand les violets vont arriver. Là, c'est en mode je prédis la vie. Oh putain, ça, ils arrivent déjà. Rentrez à la base, allez miner de l'or en attendant. Et là, faut que je commence direct les bateaux. Putain, j'ai pas de bois. Mais rentrez, bande de cons. Putain, mais ils sont autistes. Toujours la fameuse catapulte. En fait, faudrait limite que je recommence au point de départ. Putain, Jihad, ça s'appelle, c'est pas pour rien. Oh la misère. Allez, je vais même pas accélérer le temps, parce que sinon je vais me faire violer. Là, faut que j'ai le temps de réagir et tout, parce que, putain... Ce scénario, c'est... Putain, je sens que j'ai vraiment morflé, quoi. Du coup, j'ai pas beaucoup d'armes chez moi, mais je les garde au cas où, vraiment, en cas d'extrême urgence. Ça donne pas grand-chose sans chacun, mais ça fera toujours 3-4 armes. On va dire 300-400 de bois, si nécessaire, à portée de main, quoi. En dehors de la forteresse. Donc là, je commence à bûcher en même temps, parce que j'ai pas intérêt à traîner, comme vous le savez. Et du coup, je commence à lancer la production de galères. Donc je la mets dans le port pour l'instant, enfin je la laisse à l'intérieur.
Ça va être chaud. En plus, les galions à canon, ça, c'est très très dur contre les galères, enfin, de résister. Enfin, les galères, ça fait très peu de dégâts à côté, c'est abusé, quoi. Peut-être les navires d'incendie pour les liquider, et encore, je suis même pas sûr. Mais bon, je pourrais tenter d'en faire, mais bon, pour l'instant, faut du bois. Donc, on verra. Je continue de faire des mecs. Là, faut vraiment que je fasse un max de villageois. Dès que je peux construire un château, je m'y mets aussi. Casse pas les couilles, toi, pourquoi tu bloques? Casse-toi! Ah putain, c'est un allié en plus. Chier. Dégage. Ils sont obligés de passer par là, c'est con, quoi. C'est abusé, ça. Allez, viens par là. Je vais acheter la pierre manquante et je vais faire le château. Je préfère direct gagner du temps de ouf parce que. Ils vont pas nous en laisser du temps. J'ai juste déposé les 12 de pierre que j'ai en stock. Alors, ça c'est 75. Bon, je vais tenter. Ah putain, j'ai pas assez d'or. Hein. Bon, je vais faire des galères normales, c'est pas grave. En attendant. Donc le château, hop. Faut espérer que là j'ai beaucoup plus de temps à gérer parce que sinon c'est un massacre. Par contre l'or ça rentre pas quoi. Il faudrait plus de mecs à l'or. C'est... Putain, je suis sur tous les fronts là, c'est un truc de ouf. J'espère que je vais y arriver parce que là, j'ai pas eu de recommencer 10 fois scénar, je sens que ça va être chaud. Surtout que là, c'est juste résister. Après, il y a 2 sièges à faire. Si les mecs ils sont en haute mer, ça va être un bordel pour péter les murailles et tout, ou accoster. Donc, voilà quoi. Faut pas galérer quoi. Putain, ils vont bientôt attaquer, je pense. Enfin, ils attaquent quand la muraille commence... Enfin, la muraille, la merveille commence à péter. Peut-être que j'aurai le time. Je vais enregistrer là-dessus. Hop. Et je viens de m'entendre que je suis toujours limité à 75 de pop, ce qui est vraiment casse bon moment pour le coup. J'ai essayé de faire une cavalerie d'éclairage. Je fais d'abord l'évolution pour que ça soit plus mieux. Et je vais voir s'il n'y a pas des spots d'or ailleurs ou quoi. Ça serait pas mal. Donc du coup, je vais vendre la pierre et je vais acheter un peu de bois et je vais refaire. Même si je fais une charrette maintenant, c'est risqué. L'évolution, c'est combien? 200 nourriture, 200 or. J'y suis presque. Voilà. Comme ça sera prêt pour après et ça y est, ces connards arrivent. Bon, en attendant, toi, tu vas bûcher un peu. Putain, j'en ai pas fait plus, oh, la nourriture, quoi. Bon, déjà, j'ai envoyé ces 3-là, enfin ces 4. Bon, déjà, à 4, il y a moyen de gérer, parce qu'ils sont pas nombreux, en fait, finalement. C'est surtout la catapulte qui pose problème. Voilà, ça c'est fait. Les armes de distance, les archers. Voilà, c'est bon. Hop, les autres, ils peuvent s'acharner sur les murs en attendant, j'ai de la marge. Donc voilà, ça c'est bon. C'est pas pour autant que c'est terminé. Donc j'attends un petit peu de restat, hein. Au pire ceux qui sont en pleine forme ils peuvent sortir. Je vais essayer de les péter là, ils sont tous full vie en plus, c'est chaud. 3 contre 3 c'est chaud, je vais mieux attendre un autre. Même deux autres, parce que là sinon ça va être chaud. On n'arrête pas les bateaux pour autant.
Allez, ça devrait aller, je pense. Voilà, toi tu crèves. Ah, c'est bon, ils ont abandonné, c'est cool. Dégage. Voilà. Parfait. Bon, ils vont continuer d'attaquer. Hein. Les bleus, ils étaient pas venus solo, mais bon. C'est déjà mieux. Hop. Du coup, je vais jarter quelques mineurs quand même. Faut qu'ils aillent au bois, parce que là, pas déconner. Allez, hop, on y retourne. Tac. De l'or, là, j'en ai pas mal. Je vais acheter un peu de nourriture. Faut vraiment que j'ai une petite armée de quoi me défendre, quoi. Pour survivre aux prochains assauts. Et là, je vais commencer à me trimballer avec mes bateaux. Pour voir ce qui m'attend. Donc, je crois qu'ils venaient d'en haut. Bah, ils sont peut-être à gauche, finalement. Quoi, mais je vais voir ça. Parce que là, j'ai pas aimé... Ouais, les vlas, ils sont là, c'est bête. Alors, on peut les esquiver, ceux-là, quand ils vous envoient leur canon, mais... faut pas se louper. Voilà, ça va. Au moins, dans un en moins. Les autres, je sais pas où ils sont. Ça, c'est chaud d'être sur tous les fronts en même temps, quoi. Bon, on attaque pas ma base, là, pour l'instant, donc ça passe. Faut que j'en profite. Alors là, il y en a un. Je sais pas si c'est un galion à canon, par contre, j'ai pas eu le temps de voir. Non, c'est un galion normal, ça. Ah, c'est un galion que ça s'appelle, ouais, j'ai un doute. Bon, si tu fuis comme ça, ça va pas le faire. Qu'est-ce qui se passe? Ah merde! J'arrive! Putain, j'avais oublié qu'il y avait des béliers en plus, ils ont pas de main morte quoi. Bon, tout le monde se regroupe. Hop. Vous aussi. Hop, on refait un camp de bûcherons. Bon, du coup, j'aimerais bien explorer un peu. Je vais y aller avec qu'un seul. Hein. Ah mais non, c'est vrai, je vais faire une cavalerie d'éclairs, ce sera mieux. Toi, tu vas retourner au dodo. Faut te soigner un peu. Faut prendre soin de ces animaux. Allez, on continue. Je sais pas combien de temps je suis là, mais je ferai peut-être des coupures un peu, on verra. Je me laisse encore à peu près 10 minutes de jeu. Mais je pense que ouais, les jaunes ils doivent être là, hein. Ça serait logique. Donc, par hasard, je vois aucun ennemi là. Putain, j'aime pas ça quoi. Les galions à canon ils sortaient bien de quelque part, hein. S'il y en avait un. Les autres ils sont pas loin quoi. Bon, apparemment, je pense pas que les jaunes soient là. Il y a tellement peu d'espace pour faire une ville. Ah, il y a de la terre. Là. Ok, il y a un peu de jaune. Il y a de l'or. Les bateaux sont peut-être pas loin. Je me regroupe. Un port, ok. Alors déjà, leurs navires de pêche, je vais les violer. Mais avant, je vérifie s'il n'y a pas de galions. Allez, cassez-vous avec vos navires de pêche. Au revoir. Vous avez voulu me la faire à l'envers tout à l'heure, maintenant c'est moi qui me venge. Le port, je vais le violer. Je crois pas qu'il y ait vraiment... Ah, attention. Les renforts arrivent.
Bah alors, on gère pas? Eh, ça change tout, là. Chacun son tour de se faire piner. Je sais pas ce qu'il faisait là. Pourtant, il n'y a pas de deal. Je pense pas qu'il y en ait une dans le coin, il n'y a pas de place. Ou c'est un tout petit bout de deal, alors. Ah. Ça, c'est un truc de démolition, frère, gaffe. Ça explose comme les kamikazes. Toi, tu viens là. Dépêche-toi. Ça me saoule quand il y a des rebelles comme ça. Ils font perdre mon temps. Bon, c'est bon, là on m'attaque pas, c'est cool. Oh putain, il suffit que j'en parle. Foutez-moi la paix. Eux, bah ils vont... Je sais pas, ils font quelque chose. Hop, on se recompacte. Alors, on va voir ce que ça vaut du coup l'exploration avec le Mister, là, cavalerie légère. Bon, apparemment, ils ont pas de camp, quoi. Il y a juste un peu à péter. Qu'il faudra que je pète parce qu'ils vont faire d'autres bateaux sinon. Mais ça veut dire que les jaunes sont sur place, quoi. Bon, déjà, il y en a un là. Ah, ça y est, ils commencent à chercher la merde. Hop, je reviens. Bon, là, c'est bon, ça gère. Hop, on va les mettre avec eux. T'as le temps que j'arrive, par contre, il prend cher le pot. Un petit peu d'or ici, ça peut être cool. Alors, qui c'est qui va se faire violer là? C'est pas moi. Oula. Attention quand même. Gagnons un canon en priorité, ça fait très mal. Putain, ça me les one shot quoi. Ah, ils ont déjà tout miné, ils ont pas perdu de temps. Je pense que je vais m'en battre les couilles et je vais faire ça comme le truc précédent en espérant pas me faire attaquer. Mais je pense que je vais faire ça. Hein. Parce que là, il me faut grave de l'or et tout. Pas le temps de chipoter, de se dire ouais, je vais me faire dégommer ou quoi. Hop. Voilà. Donc c'est bon, là ça répare. Je vais quand même faire des fermes sur place parce que au moins il reste toujours quelques habitants prêts à intervenir pour défendre le coup. Et puis voilà. Ah merde, putain, j'avais pas vu que c'était un truc de démolition. Ah l'enculé quoi. Ça, c'en est un. Ah, en plus, elles sont améliorées, leurs attaques. Faut que je pète leur port, là. C'est obligé que ça vienne d'ici. J'espère que je vais pas prendre 10 ans à le casser. Oh, ça va, ça descend assez vite. Ah, ils ont refait des navires de pêche, c'est ce que je vois. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à miner tranquille? Bon, ça a l'air, hein. Du coup, toi, attaque pas le bleu, je m'en fous. Tu vas continuer d'explorer. Après, je vais péter leur maison, comme ça, il n'y aura plus rien sur Steam. Et on sera pas mal, je pense. Voilà, ça c'est fait. L'île est de nouveau vierge. Alors, que se passe-t-il? Ah merde, putain. Il s'est fait dégommer. Alors, il y a un château ici. Ok.
Alors, on va mettre des soldats ici, parce que là, il n'y a plus personne, apparemment, ce qui est très dangereux. Hop. Tac. Allez, on continue. Qu'est-ce qui se passe? Heureusement que je suis là. Ouais, fuyez, pauvre fou. Alors, lui, il va au bercail. Et lui aussi. Oh bah ça va, je gère. Enfin... Qu'est-ce qu'il fait? Pas trop ça, viens pas faire chier, toi. Tu seras gentil. Alors du coup, je visite il reste. Là, il y a beaucoup de zones noires encore. J'ai vu qu'il y avait des jaunes sur la berge, en plus. Là, je pense qu'on va... On va être surpris dans cette zone. Ah, il y a un navire de pêche, déjà. Ça sent la ville potentielle, ici. Un navire de démolition, encore. On aura le temps de me péter dessus. Meurs. Putain, la vache, il est résistant, lui. Je vais peut-être ramener des poteaux, là, parce que... À force, ça fait mal. Il est où, leur port, là, que je le dégomme? Tiens. Mais c'est quoi, un navire incendie? Ils sont vachement résistants, ces bâtards. Ils ont fait des améliorations pour la résistance. Les fourbes. Du coup, ça me permet d'explorer aussi, parce que j'ai été là. Cette digue a été construite par Alexandre le Grand, quand il a assiégé Tyr en 322 avant Jésus-Christ. Espérons que nous aurons plus de succès. Bah écoute, déjà je pète tous les bateaux, après rien. Meurs. Voilà. Bon, la tour à canon, par contre, elle fait très mal aux bateaux. Et de toute façon, apparemment, les murailles sont pas partout, hein, donc un petit navire de transport, ça peut résoudre le problème. Bon, là, il n'y a plus de bateau, ok. Je pense que je vais arrêter l'assaut pour l'instant, j'ai compris leur technique, donc ce que je vais faire, ça va être navire de transport direct. Et puis, Mamelouk, comme d'hab, hein, ça va être ça. Mamelouk à gogo. Allez, je pense qu'on va enregistrer là, ça fait déjà pas mal, la vidéo là doit durer assez longtemps. Même largement, il y aura des cuts hein, comme d'hab. Donc la prochaine fois, ce qu'on va faire du coup, c'est utiliser donc le navire de transport. J'en ai deux du coup. Ah merde, je savais pas que j'en avais fait deux. Bon, c'est pas grave. Et j'emmènerai du coup 20 Mamelouks, tant mieux du coup si on a deux. Et je les foutrai... Je pense qu'il faudrait que je les mette là-bas, là ça serait pas mal. Parce que c'est une tour normale, là-bas les tours à canon elles vont me violer, donc ça va être vraiment compliqué de les péter les tours à canon. Et sur le chemin en plus il y aura des bateaux qui vont essayer de me la mettre à l'envers, donc on verra ce que ça donne dans la vidéo suivante, mais je pense que là on va commencer à faire le siège petit à petit, dégommer Tyr, et puis après on verra si je dégomme les bleus ou pas. Apparemment les bleus j'ai l'impression qu'ils sont vraiment ici, hein, s'il y a un château sur place. Parce que là, il y a une île, donc voilà. La merveille est bientôt terminée, donc je sais pas ce que ça va donner aussi. Donc voilà, pour éviter de perdre du temps, d'ailleurs, je mets pause, parce que si la merveille me met du temps, je vais être dans la merde, par contre. Donc voilà, en espérant que cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter. Et on se dit à la prochaine pour la suite. Allez, à plus !